Vendredi 16 juin 2017. Bonsoir tout le monde. Ces dernières sorties, nouvelle année bon timamite pour ce maintenant. Information n'abgué pour nous développer pour un journal ça. Chambre députée a prévu à organiser vendredi 16 juin 2017 la séance sur projet loi finances rectificative là. Collaborateur non Gary Madère abgué pour nous plus explications sur le site et sur le site ça. Institut national la formation professionnelle lancé vendredi 16 juin 2017 là dans le local INFPA Delma 60 troisième session examen l'état qu'a fait dans 10 départements yosoti 19 juin pour arriver 5 août 2017 là. Responsable bureau départemental Office national identification dans département sud-est PIA, dans le cadre de rencontre avec la presse pendant ce maintenant, fait qu'on a une amélioration qui potait dans service bureau à Apofri population. Et l'autre fois, bonsoir tout le monde, nous souhaitons bienvenue dans le développement nouvelle. Toute nouvelle radio Télé-Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Institut national formation professionnelle lancé vendredi 16 juin 2017 là, dans le local INFPA Delma 60, troisième session examen l'état cap fait dans 10 départements PIA, sorti 19 juin pour arriver 5 août 2017 là, pour yon effectif 4749 participants. Directrice générale INFPA Maggie Durcé, dans l'intervention, le fait qu'on est à gain 221 surveillants, 63 responsables dans centre examen yo, AK 207 évaluateurs. Nous sommes là pour lancer les examens d'état de la formation professionnelle. Et l'objectif, c'est d'informer la population de la tenue de ces examens, puisque nous avons dit dans la présentation de la vision et dernièrement que nous voulons que la population sache ce que l'INFP réalise en son sein, puisque nous sommes sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale. Il y a une compréhension générale des examens d'État au niveau de l'Éducation nationale et l'INFP, en tant qu'institution relevant du ministère de l'Éducation nationale, réalise également les examens pour les apprenants du système qui sont autour de plus d'une vingtaine de milliers selon les études et qui ont été réalisées et ces 5 dernières années jusqu'à l'année dernière. Nous avons un deuxième objectif qui c'est de donner une visibilité aux examens d'état de la formation professionnelle en vue de valoriser le processus de la certification à l'INFP. Donc, puisque pour valoriser le sous-secteur de la formation professionnelle, il faut croire dans le certificat, il faut croire dans la pièce que l'INFP demande, que ce soit une attestation ou une autre. Donc, à ce moment, par rapport à la question d'insertion, par rapport à l'objectif de former des apprenants pour le marché du travail, donc nous estimons qu'il faut renforcer la confiance de la population dans les examens d'état de la formation professionnelle. Et le troisième objectif, c'est de crédibiliser le processus d'évaluation en vue de crédibiliser les certificats et les diplômes obtenus et par les apprenants. Donc, c'est sous la base de ces trois objectifs que nous sommes là pour présenter à la presse et particulièrement à la population les différentes activités qui vont avoir lieu. Nous avons quand même, depuis notre arrivée, puisque c'est un processus en cours, et pour mettre en œuvre ces activités et les actions, disons, qui sont relatives à l'évaluation, aux examens, donc nous avons nous-mêmes déjà, en disons, 2 mois et demi, travaillé avec la direction des opérations qui mène cette activité spécifique à renforcer la supervision et la surveillance dans les centres. Nous avons participé à l'élaboration de consignes à faire respecter, que ce soit par les apprenants, que ce soit par les centres, que ce soit par les superviseurs et les surveillants. Nous avons également travaillé sur la disponibilité des matières d'œuvre, parce que vous savez que les examens d'état de la formation professionnelle, il y a un côté pratique que l'on ne retrouve pas dans les autres examens d'état, parce que il faut réaliser des œuvres, par exemple au niveau de la cuisine, au niveau de la couture. Donc on a travaillé de concert avec la direction des opérations pour que ces éléments liés à chaque filière, sinon à chaque métier, soient
disponible pour les centres publics qui sont sous l'égide, si l'on peut dire, de l'INFP. Ensuite, nous avons travaillé sur une fiche technique de supervision parce que nous sommes venus avec une nouvelle vision de renforcer les capacités. Donc, il faut que la supervision aussi touche ce que nous voulons et par rapport à la supervision physique des salles. Et on profite pour regarder les centres aussi, comment sont les dispositions des salles que nous pouvons appeler des classes. Et ils vont aussi intervenir sur la supervision pédagogique en termes de moyens pour réaliser les œuvres, par exemple. Nous avons établi aussi un calendrier de visite des cadres de la direction générale ainsi que les cadres de l'INFP, spécifiquement ceux de la direction des opérations. Donc, rapidement, on verra les indicateurs pertinents pour l'année 2007 par rapport à la durée des examens qui vont durer 3 semaines. Lundi, on va avoir la première session et ensuite jusqu'à arriver au mois de juillet. Et les dates sont fixées du 19 au 30 juin et le nombre des centres s'élève à 83 sur tout le territoire. Vous avez la répartition par du nombre des centres par département, alors de tous les effectifs par département. Et cette année, nous avons un effectif global de 4749 apprenants. On a 221 surveillants et on a 63 responsables des centres. Et en termes d'évaluateurs, on a 207, tout ça autour de 35 métiers. Donc, vous savez qu'on a environ plus que 35 métiers, mais spécifiquement, les examens vont se tenir sur 35. Au niveau de la mode, on aura un défilé de mode dans différentes écoles. Par exemple, demain, ce sera le défilé de mode à Élie Dubois. Et aussi, il y a la question de dégustation qui se fera dans certains centres où on enseigne l'hôtellerie, la cuisine, la pâtisserie et la restauration. Donc, en gros, nous sommes là pour dire à la population que désormais, les informations autour de la formation professionnelle seront partagées et c'est à partir de ce renforcement dans tous les domaines, dans tous les axes. Aujourd'hui, nous intervenons sur l'axe de la qualité parce que la qualité de l'enseignement, ça va avec la qualité de l'évaluation et qui va déboucher sur la qualité de la certification. Donc, nous profitons pour relancer cet appel, pour avoir un nouvel intérêt, même un regain d'intérêt pour la formation professionnelle qui, pour nous, constitue le moteur du développement du pays d'Haïti parce qu'il y a toujours une tendance à dévaloriser cette formation alors que c'est la formation la plus active et qui est directement qui agit sur la population tout de suite en fonction du nombre d'heures prescrites par rapport au programme qu'on a déjà introduit dans le système. Madame Monsieur Otap Côté, directrice générale INFPA, Magui Durcé. Les faits de heure avec 10 minutes. Nous gagnons avec nos collaborateurs, nous, Gary Mader, qui pourra informer nous de séance qui prévoit organiser dans le Parlement haïtien. Bonsoir, Mader. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, Katana. Bonsoir, tout le monde. Jean, qui est aujourd'hui là, Cécile. Jeudi, nous connaissons qui c'est vendredi, mais qui pas tout à fait juste séance, puisque séance, c'est toujours c'est dans 3 jours, dans ce maintenant, à savoir mardi, mercredi, jeudi, 3 jours, ça, c'est 3 jours qui sont consacrés pour séance organisée, quelque sorte, que ce soit au niveau Chambre des députés ou bien dans le Sénat républicain, c'est 3 jours, ça. Mais donc, on est à cause des projets de loi et finances rectifiées, donc, on est qui est déjà. Qui n'a pas de travail, voté que depuis qu'il y a de travail sur lui. Donc, nous connaissons depuis le week-end passé, président de la commission finance, chambre de députés, Yvon Gers, c'est bien garanti que dans la dernière séance qui se passait dans ce moment, dans ce jeudi, il était présenté
les rapports travaillés, mais ils n'ont pas privé organisé séance. Journée vendredi, selon toute information, assemblée des DPO prévoit organiser une séance pour commission financement lui-même, qui va venir présenter la police devant l'Assemblée. Nous constatons que nous commençons à remarquer qu'il y a un peu de députés qui commencent à être présents au niveau parlement là. Les services sont déjà présents tout à l'heure. Je m'en fais une fête, les étés seulement pour ensemble des députés pour être capables de présents. Au moins, pour gagner 60 députés pour être capables de gagner un quorum, pour être capables de briser et statuer sur le rapport travail commission finance ensemble des députés et qui gagne comme président député Miragouana, Yvon Jeff. Pour avoir si ça statuer sur lui, pour être capable de briser. Voter le budget loi rectifié. J'en connais bien, un budget loi rectifié qui gagne un ensemble de problèmes pour le capable de résoudre, selon toute déclaration. Nous toujours attendu que ce soit plaidoirie, ministre financement, à travers toute conférence qui se passe maintenant, il était toujours à dire que nécessité, toujours à montrer nécessité. Pour parlementaires arriver voter budget loi et voter budget ça sans perdre du temps. Puisque il y a un problème dans le niveau éducation, que problème au niveau, on dit un gros problème salarié qui pourrait résoudre dans diverses entités dans le pays. Journée, il était que Napton, Napsuiv, pour nous voir si député avec si député, il a pu répondre avec exigence ça, et pour être capable de vivre d'une citation sur rapport et travail, commission financement, pour être capable de voter du GSA. Immédiatement, il est fini, puis il est capable de transmettre le Sénat de la République, là, et bien pour le Sénat lui-même, est capable de vivre ce travail partout. S'il mérite correction, pour le corriger, et s'il pas mérite corriger tout, il est capable de voter lui, et bien rapidement, il est capable de finir à faire lui, puisqu'il connaît 30 juin et 4 juin là. C'est à date pour être capable de déposer le budget rectificatif 2017-2018. Donc, il y aura un chute à soumis. Eh bien, cher Jean-Baptiste, je viens de dire là, c'est nous avons dit la une, de moi, c'est interrogation, tout le monde, c'est ça qui nous avons dit qui domine l'actualité au niveau parlement, c'est un jour de vie qui vient pour chita sur rapport travail commission. Si l'ensemble des étudiants pour être capable de voter, budget ça. Si nous sommes capables de prendre l'autre branche là, puisque nous connaissons la fonctionner à des branches au niveau Sénat, nous sommes capables de dire pas grand chose, nous pas remarquer tellement en machine officielle, mais puisque nous connaissons un week-end, c'est là que ils viennent dans le département que je suis représenté là pour attendre le mandat, attendre le problème du département. Donc, si vous êtes capable d'intervenir, vous allez ensemble les indications et vous dans le département. Donc, nous sommes capables de dire au niveau de chambre de députés, c'est la meilleure, mais c'est toute évolution. Aussitôt que l'état d'évolution a commencé, eh bien, nous promettons avant le journal la fini et la force, toutefois, nous sommes capables que l'appel nominal a commencé, nous sommes capables d'informer les auditeurs et auditeurs sur la deuxième question. Merci, Gary Madère. Les faits de heure avec 17 minutes, responsable bureau départemental, Office national d'identification dans le département sud-est PIA, nous rencontre avec la presse pendant ce moment, fait qu'on a une amélioration qui est faite dans le service bureau ça à offrir population. Irané samedi. Divers membres de la population commune Cajacmel, département sud-est paysan, découvrit jeudi matin 15 juin 2017 l'an sous littoral là, un animal marin tout mouri qui portait nom baleine cachalot, selon autorité protection civile environnementale, à la mairie commune là qui était rendu sous les lieux. Coordonnateur technique bureau protection civile sud-est là, Ronald Delis fait connaître, c'est grâce à l'intervention autorité yo accompagner la police qui empêchait membres population qui était déjà envahi bête là avec manchette, pas arriver séparer viande espèce
pour al consommer Ronald Delis qui dit viande baleine cachalot a capable bien gros conséquences sur santé monde qui t'a mangé préciser c'est après en pile sensibilisation agent protection civile yo bon côté population an. Finalement monde qui était sous place yo accepté collaborer à autorité yo pour enterrer cadavre gros bête ça. Ronald Delis c'est responsable technique protection civile sud-est population Cajacmel là levé matin yo arrivé jeune une gros bête au niveau d'une plage dans la commune ça c'est une bête qui est cachalot que au jeune sous plage là et malgré que intervention et autorité yo il y a des monde au niveau de population qui t'ai fait tentative pour te racher bête ça pour te al manger la caillou mais grâce à avec support et brigadier protection civile yo même CPC Cajacmel là nous arrivé sensibiliser yo et actuellement nous a fait des démarches pour nous voir comment que nous t'es capable racher les départir dans thème créole là pour nous si nous t'es capable intéresse là pour que moun la population pas arriver consommer bête ça parce que li capable et faire des effets négatifs dans organisme au cas où yo t'a consommé toute information que nous génio fait connaître que bête là li pas vivant c'est un bête qui était déjà mort qui a échoué dans rive là bon il représente une menace pour santé parce que il pas un bœuf il pas un cabri c'est pas on vient que habitué avec lui naturellement il est comestible ça veut dire il a des problèmes de santé et au cas où au monde qui a consommé directeur bureau environnement sud-est agronome Arsène Bastien qui était sous place dans moment montrer ces dégradations environnement qui rendent gros bête ça yo a mouri et puis gaspillé à cause importance qui pas accordé à ensemble espèces qui vivent à travers environnement pendant le considérer l'amour baleine cachaloa comme yon pet environnemental agronome Arsène Bastien baleine ça qui gagne dans zone boy ici là c'est l'enfant là mais côté là mais à profond que li vive c'est ça qui fait c'est dans zone en sapit là côté noir là c'est zone en sapit qui gagne dans mais profond li vive côté li vive la fait noir à cause de dégradation environnement et puis tout plastique que nous a gagne dans mer c'est pas lui même seulement qui a problème ça dans la mer dernièrement mais ouais tortue yo yo gagne même problème pas arrivé là li ka peut-être c'est un matière plastique li valé qui tout fait li l'a chercher route pour joindre solution baleine ça les cachalot comme baleine là mais pas jamais intéressé à ici à part des pêcheurs seulement que l'on met à et c'est lui même nous mépriser pas baleine je dis à cause de arrive bête ça nous ne pas commencer que prendre conscience que l'on met à bon richesse li important pour nous souligner divers membres dans population commune Cajacmel département sud-est pays a quitté découvrir cadavre bête ça pas de printemps pour te envahir et puis commencer séparer devant situation ça responsable protection civile sud-est encourager population en général prend en pile précaution pour éviter que ça pas répéter encore depuis commune Cajacmel département sud-est pays a irané samedi radio télé Guinée samedi radio télé Conseil électoral provisoire là prévoit publier calendrier électoral pour élection intérieure mercredi 21 juin 2017 là. Ces précisions, vice-président KEPA, maître Carlos Circule, dans le cadre d'une interview lié à accordé Radio Téléguinée, jeudi 15 juin 2017 là, dans le local KEPA Pétionville. Maître Carlos Circule a toutefois fait connaître une séance formation qui pourra le faire pour membres bureau électoral communal dans tout le pays à partir du 19 juin Kabout, 21 juin Kabvila. Relation ou bien partenariat qui est développé avec l'autre branche dans l'État, à savoir le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, l'été prévoit pour aligner deux séquences, une qui est prestation de serment, l'autre là qui c'est prise de fonction qui pral fait démarrer le chronomètre des élections indirectes. Ça veut dire prestation de serment yo y a fait et tout de suite après pral gagner prise de fonction. Mais ça qui est fondamental, on doit devoir attendre la dernière prise de fonction pour que on démarre élections indirectes. Sur l'ensemble du territoire, formalité ça yo pas rempli de manière concomitante, yo pas rempli en même temps. Donc obligé tant dernière là rempli pour démarrer élection indirecte là. Mais ça qui est important à ce niveau, à ce stade, je dirais, c'est que nous-mêmes nous avancer. Avancer dans le sens avant-hier nous avons gagné la journée d'orientation que nous parlons les formations parce que formation il y a trop envergure pour nous. La journée d'orientation des grands formateurs qui pral yo même fait le 19 et le 21, yo pral former
les BEC, qui va faire journée d'orientation pour les BEC, les BED, sur l'ensemble du territoire. Le 19, pour une journée d'orientation qui a fait dans deux chefs-lieux de département, ou pour gagner au niveau de Nord-Est, qui va faire dans le Cap-Haïtien. Dans l'Artibonite, a bien l'Artibonite et Nord-Ouest, la fête dans Gonaïve. Et tous les deux a fait en même temps. Ça veut dire que le 19, a bien journée d'orientation pour département du Nord et du Nord-Est au Cap-Haïtien. Et dans l'Artibonite, a bien journée d'orientation pour les départements de l'Artibonite et du Nord-Ouest qui a fait dans Gonaïve. Le 21, pral gagner une journée d'orientation qui a fait pour 6 départements. Ou après aller dans le sud, ou rejoindre sud, Nip Grandans, Cap fait au Caï. Et l'ouest, dans Port-au-Prince, a bien formation en journée d'orientation Cap fait pour sud-est, centre et l'ouest. Pour nous capables d'assurer nous que BEC yo même qui pral jouer rôle de membre de bureau ou bien ça les comités de gestion électorale. Que yo même yo connaît très bien mission yo qui s'allier effectivement parce que suivant décret a élection ça yo y a réalisé sur la convocation des BEC et des BED. Pour être ça nous préparer une directive joindre avec décret a et constitution a, ou vinn gagne un corpus juridique ou vinn gon cadre légal qui déterminer comment pour élection indirecte yo faite. Mais l'on dit ça, faut moun ki pral gen pour remplir attribution sa yo, yo même, yo gen des directives que y a suivre, yo konn exactement type d'élection sa yo, mais qui sa yo yé, mais comment pour yo fait. Donc c'est travail ça que nous fait avec grand formateur yo et grand formateur yo, yo pral répliquer les 19 et 21 juin sur l'ensemble du territoire à travers 4 départements qui servent de chef à travers 4 chefs lieux de département qui recevoir formation pour 10 départements qui regroupaient les BEC et les BED sur l'ensemble du territoire. Et de là, mardi, mercredi au plus tard, n'a publié le calendrier des élections indirectes. Combien de compagnies a besoin pour réaliser l'élection directe? En fait, je pense que c'est environ de $700,000 américains. Et d'après dernière information que ce directeur exécutif l'a communiqué, et c'est un montant comme ça. Mais nous gagnons des spots qui en préparation, gagnons des affiches, gagnons des dépliants et tout matériel qui pour faire l'élection ça au là et logistique n'a préparé autour. Donc nous pensons que nous-mêmes nous prêts pour nous capables de faire élection indirecte à partir de dernière prestation, de dernière entrée en fonction ASE et délégué de ville. Permet la population de l'idée de élection indirecte parce que dans plus monde là qui attend l'élection directe va gagner pour principal fonction dans ça parler. Justement, c'est raison ça qui fait nous faire des spots bien que élection indirecte là, collège électoral là, ça veut dire que monde qui va voter là-dedans, monde qui a candidat là-dedans, c'est élu locaux yo même et spécifiquement membre AZEC et membre délégué de ville yo. C'est yo même qui pral constituer ou capable dire le premier collège ou bien le collège électoral originaire, c'est yo même qui a constitué. Élection indirecte yo gen 4 organes. Premier organe dans relé assemblée municipale, les constitué de membres assemblée section communale AZEC et délégué de ville. Ça veut dire que ou pral joindre yon assemblée municipale dans chaque commune yo. Assemblée municipale là li pral bay lieu, li pral constituer le collège électoral, le corps électoral par le collège, le corps électoral li pral constituer le corps électoral pour l'assemblée départementale. Ça veut dire qui ça en terme clair. C'est moun qui ka voté, qui a participé dans élection assemblée départementale là, c'est monde qui élu qui constituait l'assemblée municipale.
Maintenant, l'Assemblée départementale, là, lui-même, il pral vignon corps électoral. Tout. Et corps électoral, lui-même, il pral vignon, c'est pour lui capable de faire élection, pour lui capable de désigner les gens qui pral aller dans le conseil départemental. Ça veut dire que trois représentants par département, qui a formé le conseil départemental, et l'autre branche tout, c'est le conseil interdépartemental. Donc, l'Assemblée départementale, là, lui-même, l'ion corps électoral et pour la formation du conseil départemental qui est représenté par trois membres par département. Là, nous dit trois membres, non. L'est capable, et c'est dans le seul niveau qui gagne, l'est capable des membres de l'assemblée départementale, mais l'est capable tout le monde qui sorti dehors. Ça veut dire que le monde qui pas fait partie de structure ça du tout, ça veut dire que qui pas AZEC, qui pas délégué de ville qui vient assemblée municipale. Donc, eux-mêmes sont capables de sortir de eux. Et ils joignent ça seulement au niveau du conseil départemental. Et le conseil interdépartemental, là, lui-même, est formé exclusivement de membres assemblée départementale. Donc, là, il y a parlé d'élections indirectes, il y a lieu à la constitution de quatre organes. Ils joignent d'abord au niveau communal. Ou joignons l'autre qui c'est assemblée départementale dans le département yo, ou joignons conseil départemental qui formé trois mondes par département, et puis ou joignons en finale un conseil interdépartemental qui formé par un représentant de chaque département. L'on va parler de élection indirecte, on va parler de décentralisation, on va parler de démocratie mais au niveau local. Donc yo joue des rôles assez importants, mais nous-mêmes comme CCEP nous y est, fonction que yon pral rempli ya, ça, nous pas gen autorité pour nous dire qui ça lié, ça arrête bon côté ministère de l'Intérieur, parce que responsabilité pas nous-mêmes, c'est prendre toute disposition à ce que nous respecter sa constitution en dit, parce que c'est les mêmes qui prévoit collectivité territoriale yo, et ça que décret électoral là lui-même li dit, avec directive que nous-mêmes nous vîn élaborer qui pour permettre que vide qui gagne au niveau décret, ça que constitution n'a pas dit, nous-mêmes dans les directives, nous prenons disposition de nous dire. Ça qui est important, c'est que aux dernières infos, même si ce n'est pas de manière officielle, que nous connaissons dans le budget et rectificatif, il y a un montant qui est prévu pour le CEP, mais surtout pour l'organisation des élections indirectes. Ça, c'est un comme qui était sous élection que nous avons fait déjà, sous 55 millions. Nous avons un montant que l'État de Kojambay, c'est le même qu'on y a là, ministère des Finances, il a mis dans le budget rectificatif. Là. Donc, c'est une façon pour nous dire tout, dans 55 millions que CEP a demandé pour faire élection, hein, en dépit de tout ça qui était venu arriver, question de Mathieu, etc., nous pas jamais, CEP n'a pas jamais demandé, pas jamais faire un autre budget extra pour question élection que l'organise. Maintenant, le processus d'inscription, quoi fait? Comment? Article 72 et 72.1 décret électoral là, li résout question ça. Article ça vous permet que vous compreniez, moun qui passe en dans système là déjà, qui screené, moun que système n'en dit que yo même, yo te gen qualité pour yo participer dans l'élection, auquel cas yo vini élu, moun sa yo, yo pas bien pour yo déposer pièce. Mais par mesure de précaution, pour que moun nan li même li fait sa ou li fait yon signification d'intérêt, côté li dit que l'exprimer intérêt, li manifester intérêt pour l'élection sa yo, li gen yon formulaire que la juste rempli. C'est comme si formulaire ça, c'est lui-même qui confirmait volonté pour participer dans l'élection. Mais il n'y a pas de pièce pour le déposer parce que pièce nous censé gagner. Mais pas jamais qu'on est. Côté que tu as gagné une sorte de négligence qui était faite dans la première et dans l'élection que vous avez participé. Et puis c'est là où vous allez gagner à travers le formulaire là pour rouler et puis corriger. Mais deuxième catégorie, c'est catégorie que vous joignez au niveau de conseil départemental là, moun kap sorti de yo, ça veut dire que participants externes, candidats externes. Pour les candidats externes, yo même yo gagne des critères d'éligibilité et critères qu'on connaît yo. Faut yo gagne au moins 3 ans habité dans le département, faut yo prendre engagement que toi y a continué à habiter dans le département là, yo t'a fini élu. Faut que yo paye
Il faut qu'il y ait en règle avec le fisc. En fait, il y a environ 5 ou 6 critères que vous devez obéir avec. Et Mounsayo, non seulement il a pris un formulaire de déclaration de candidature là, il a déposé pièce sûre qui pourra faire l'objet de une analyse d'examen par le conseil électoral. Et à la fin, le conseil là pourra l'obliger à publier une liste de candidats agréés. C'était explication vice-président conseil électoral provisoire là, maître Carlos Hercule. Il fait 2 heures avec 33 minutes. N'a prend l'autre pause. Vite. L'effet 2 heures avec 34 minutes. Coordonnatrice programme national cantine scolaire là, Fanèse Laguerre, visité Soti 12 pour arriver 14 juin 2017 là, département NIP Grand'Anse avec Sud pour évaluer qualité manger, instance concernée au bail Elevio. C'était occasion pour directrice PNCS là de prendre doléance à plusieurs employés qui sont en situation difficile. Sud-là, qui c'est la ville de Caille. La mission nous a défini qui c'est Baïti Moun Manger, PNCS, Programme National Cantine Scolaire. Nous avons une évaluation de terrain à faire dans tout le pays. Je dis là, nous parlons dans tout le pays, nous parlons dans tous les 10 départements pour nous voir dans quelles conditions si Moun pas nous a mangé, dans quelles conditions il a fonctionné sous terrain et dans l'école. Est-ce que si Moun a mangé avec dignité? Est-ce que si Moun a mangé et régulièrement, est-ce que un menu et qui acceptable? Nous aller dans département NIP, nous aller dans département Grand'Anse et jodi a nous dans département Sud, n'a monté, n'a descendre, n'a fait toute communion pour nous garder dans nouvelle orientation PNCS, c'est permettre plus ti moun et dans programme ça, permettre plus ti moun manger, Jean président dit là, manger dans plat ti moun yo. Et ces présences sont ça dans le département sud. Constat, peut-être et tout le monde connaît ça qui passe dans le Grand Sud, des gros cyclones qui ravagent le Grand Sud. Ça veut dire que si nous ne sommes pas nous venons plus de monde qui est vulnérable. C'est ça qui fait nous déplacer pour nous venir redéfinir la mission PNCS, c'est bailler plus de monde manger. Pas oublier que nous faisons pour en tête PNCS. Année scolaire, ça c'est à boucler. Nous sommes obligés de déplacer pour évaluer PNCS et pour nous préparer. On saison été jam pour que en septembre nous l'ouvrions avec force. Nous deal, nous vinn font constat, nous vinn évaluer PNCS pour nous garder conditions si mon panier au tap manger, est-ce que manger dans conditions hygiéniques, est-ce que manger avec dignité. Président lancé caravane dans le Grand Sud. Jeune dit la 8 juin nous t'a fêté journée nationale de l'enfance, nous t'a prélude, nous pas quitter caravane changement à quitter PNCS. Ça veut dire n'a pas chez contact contact avec président. Pendant président vient lancer et caravane changement, nous-mêmes nous vient réévaluer système là, nous vient réévaluer PNCS pour que en octobre prochain nous gain plus de monde qui mange. Au top côté, coordonnatrice programme national cantine scolaire là, Fanèse Laguerre. Activité nocturne fonctionnée au ralenti dans la commune Saint-Marc à cause de remontée et insécurité à nos zones. Marc-Carl Dupiton, Abdino Plus. Sorti dans le mois d'avril 2017 pour arriver dans le mois de juin 2017, la population Saint-Marcoise a déjà compté plusieurs cas de kidnapping en bas main à tout faire, cap opéré, tambour battant. La journée qu'on a eu, sans compter quantité vol de véhicules, braquage dans diverses marquettes avec maison transfert l'argent, mélangé à qui ont tentative d'enlèvement qui récemment fait sous un avocat bien connu qui a milité dans le barreau Saint-Marc. Face à tout Zach malhonnête ça qui a fait en répétition dans cette initiative, diverses activités nocturnes presque disparaissent dans la ville, tant que boîte de nuit pas vraiment fonctionné, club, restaurant, ak disco fonctionné au ralenti. Mettez sous travail sexuel yo qui pas suspend plein de clients yo pas joine à cause phénomène insécurité hein qui monte tant de mètres dernier jour ça yo dans ville Smart. En écouter quelques nan mesdames ça yo qui plein dans micro radio Guinée. Depuis les affaires bagay kidnapping non, ça ne va pas pour nous mêmes. Après nous vient arriver, nous pas ca voir comme bail tout suite non. Nous pas ca manger madame qui porter nous pas ca chambre. La mande vous la aider nous avec peuple pour lever camper parce que ma pas gain d'entrer de sortir. Quand celle vous gain, nous ta ramener pour aider nous dans ça. C'était bien mais pour le moment là bagay pas bon pour nous. Depuis les affaires kidnapping non. Non, nous pas jeune c'est du tout. Camion insécurité ça cap courir à toute vitesse dans mi temps population Saint-Marcoise là, il y a un gros impact économique
sur tout businessman dans ville Saint-Marc et spécialement propriétaire bordel avec discours qui pas tâché expliquer belle la vente que qu'on habitué faire chaque soir les bandits te qu'on montrer yo pas tomber en bas coup de code la police avec décision la justice en côté quelques propriétaires bordel à club. Alors on est actuellement dans nous Saint-Marc fermé le soir. Saint-Marc fermé le soir, premièrement, il y a deux raisons. Premièrement, c'est une raison économique. Mais pour elle, il y a une raison insécurité. Ça, l'économie en mariage avec insécurité, elle vient faire mon mari chaque année. Donc, nous-mêmes, nous avons fait activité la nuit. Et Saint-Marc qui dépote une belle réputation dans le monde entier, comme un pays qui fonctionnait presque 24 sur 24. Mais après, Saint-Marc parti nuit là, c'est perdu. Presque il y a l'autre pays qui a pris la main. Pour bien dire, oui, monter insécurité. Sécurité a une répercussion sur toute activité. Par exemple, Clobio, c'est la première victime des problèmes d'insécurité. Pas du tout. Parce que le monde va marcher depuis le fait 9h du soir, pas grand grain de monde en dedans. Et vous voulez me dire, toutes mes dames qui étaient là, puis pour finaler, ça traite là, c'est parce que vous n'avez pas de problème. Calmez, parce que c'est un monde qui est ancien qui est là. Et aussi, il n'y a pas de problème, il y a souffert pour l'automne. Juste si ça a quand on l'autre arrangement, parce que il n'y a pas fait coffre, ni pour voir si on ni pour manger, ni pour faire chambre. Au contraire, c'est moi qui porte. Pas bon pour moi du tout. Ma chambre de zone m'a vendu à 300 dollars, on coupe ça. Mais pas bon pour moi du tout. Finalement, c'est la police. N'a fait qu'on est depuis le gouvernement insécurité ça a soufflé sous communauté Saint-Marcoisan inquiétude à la Pérez occupé première place à la caille. Tout le monde qui vit dans la ville là. Question en pile, citoyen a posé tête pour demander jusqu'à ce que l'autorité dans la juridiction a privé prend toutes dispositions nécessaires pour bloquer le camion et sécurité ça, qui déjà la guerre en mer dans la bouche population. Bazar Thibonet Saint-Marc, Macal Dupiton, Radio Téléguinée d'Haïti. Merci, Marc-Col Dupiton, dirigeant Ligue pour défense et respect de l'homme dans le département sud pays a prononcé sur situation économique pays d'Haïti. Grand-Pierre Zabulon. Situation économique, sociale, population dans le département sud là a vint plus grave chaque jour. Bon Dieu, mettez manque d'encadrement provoqué l'exode rural. Tout paysan rentré la ville. Organisation cap défendre droit moun au niveau département central l'IDEP fait certaines recommandations par l'autorité haïtienne pour y améliorer les conditions de la vie moun en Haïti. Bonel Odat, c'est secrétaire général Ligue pour défendre respect droit moun dans le plateau central. Et vous pensez que Jou Capigno capable triste et dans la mesure où et pas gain des décisions qui prend justement les y a pas adopté ensemble pour cette position pour recommander et être plein la majorité de la population pas ta senti et frappement pas ta senti pas qu'il y a et la séduit parce que nous connaissons et sorti de matérie et quand le problème tomber dans le gouvernement de transition est encore problème parce que on connaît bien sûr la transition pour qu'il avec un gouvernement de transition et qu'il ne faut pas débloquer et Jovenel Vini nous repartit comme nous repartit à zéro. Et donc, comme passer prochain et juillet, prochaine semaine, prochain mois, capable d'être dur pour la population haïtienne. Au d'un côté, déclaration Ronel Odat, responsable organisation droit mondial, problème économique, social, paraît grave, très fragile. Dans le dernier jour, ça y est, paysans, tant que moun, la ville, moun qui travaille, moun qui pipe pauvre, par contre, qui Dieu pour renaître, à qui fait pour adresser prière, à cause de misère et de pauvreté qui envahit toute couche dans la société haïtienne. Il y a un dialogue national révélé nécessaire en Haïti pour porter une solution vite et pressée dans différents problèmes population a fait face. Pêche Grand-Pierre Zabulon pour Réseau National Radio Guinée. Les faits de heures avec 43 minutes. Madame Shirley Saint-Victor, Pralti tout pays, comment t'en y est? Bonsoir, Madame Shirley. Bonsoir à toute staff Nouvelle Radio Guinée et bonsoir à fidèles auditeurs. C'est toujours un plaisir dans nos UHM pour nous présenter au bulletin météorologique pour journée. 14e onde tropicale saison 1 l'y formé, l'y provoqué un temps humide et instable sous Caraïbes centrales la jeudi.
pour ça m'a gain avec la pluie à l'orage sous pays à Jodria. Sous pays à l'Haïti pendant journée m'a gain on temps partiellement nuageux et venteux et rivé après-midi à Castro ciel là totalement couvert à nuage. Là c'est un peu chaud pendant journée mais nuit là l'a agréable. Avec la pluie à l'orage modéré c'est ça n'a pas après-midi à Castro sous pays à mais surtout sous région sud à région nord. Sous Port-au-Prince lui-même zone qui environ est lieu n'a bon temps ensoleillé et venteux pendant journée mais dans fin journée à Castro ciel là l'a couvert net à nuage. Puis la température a monté pendant la journée, c'est 34 degrés. Et puis la descente pendant la nuit, là, c'est 22 degrés, avec la pluie faible et modérée. C'est ça que nous prévoyons sur Port-au-Prince après-midi et à soir. Nous vivons dans la page maritime, nous allons regarder comment ça est pour la mer. Et bien, je dis à tout la mer avant de souffler fort, va dire à monter haut. La mer a continué à agiter. Nous demandons à capitaine si l'embarcation voilier bois fouillé pour prendre en pile précaution sur la mer aujourd'hui. Soleil a été levé matin à 6h13, l'a couché à soir à 7h27 et l'a levé demain samedi encore à 6h13 pour le coucher samedi soir à 7h28. Cela nous mettait fin notre dernière sensibilité en toute semaine. Nous remercions Radio Guinée et nous remercions les fidèles auditeurs. Nous allons rendez-vous lundi et nous souhaitons un bon week-end à Radio Guinée. Bye bye. Olapalais.com